Bonjour, mon nom est François Caillat. Avec ma partenaire d'affaires, Sophie Jourdouin, nous sommes les marchands de la ville de Saint-Hyacinthe avec deux magasins. Dans notre épicerie, c'est important pour nous de faire affaire avec des producteurs de notre région le plus possible. Aujourd'hui, je suis avec Sylvain de la ferme Jardin MG, un de nos producteurs d'aubergines, pour qu'il nous en apprenne un peu plus sur son métier et surtout sur la culture des aubergines de chez nous. C'est venu de où, ça, la passion ou le désir de cultiver l'aubergine? Je suis la cinquième génération sur la ferme de producteurs d'aubergines. Fait qu'on a commencé avec mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, moi, à petite échelle. Puis maintenant, on est un des plus gros producteurs d'aubergines au Québec. Combien il y a de variétés d'aubergines que tu cultives? Moi, je fais principalement quatre variétés. Je fais de la mauve, je fais de la chinoise, je fais un type italienne noire et la grosse standard noire. On dit noir, mais c'est plutôt violacé. L'aubergine, c'est violacé. On dit noir, mais la standard, plutôt... là, c'est celle qu'on voit, comme que tout le monde connaît. Oui, oui, c'est la seule qui est violacée. C'est quoi qui nous différencie des autres cultures qui existent un peu partout? C'est la fraîcheur, la proximité. Aujourd'hui, je vais récolter des aubergines. À 4 heures cette nuit, ils vont les recevoir dans l'entrepôt. Ils vont être chargés, puis ils vont être prêts à arriver dans vos magasins. Ah, c'est excellent. Ça veut dire que ça nous donne un peu plus de durée de vie pour notre consommateur oui, aussi. Oui, c'est la différence de transport, de proximité. Merci beaucoup. Plaisir.